Valve qui nous régale encore une fois, qui peaufine, qui est très actif sur les mises à jour de Counter-Strike 2. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre, ou plusieurs skins contre un, tant que la valeur est la même. Vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5 $ de bonus. Vous pouvez utiliser le site comme marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée. Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Merci à vous les frérots, bonne vidéo. Qui va avoir son éclosion pour, je pense, c'est ma date spéculative, juin 2023, juste avant, entre guillemets, ou pendant le player break compétitif, et je pense avant les UM Cologne qui est une grande échéance e-sport. Donc moi en tout cas c'est la date un petit peu spéculative, et la date officielle c'est été 2023, donc pour moi je le mets à juin 2023. Il faut savoir que il y a quelques temps déjà j'avais fait une vidéo sur les hitbox, voilà, et le désavantage qu'il y avait à utiliser certains agents que d'autres. Il faut savoir que sur Counter-Strike 2 tout a été homogénéisé, mais que la hitbox, voilà, on s'est révélé, elle a été agrandi de 20% pour absolument tous les skins. Donc c'est pour ça qu'on a cette sensation de toucher mieux. Voilà, j'avais fait une vidéo de mon ressenti de la découverte et des sensations que j'avais. Je dis que le jeu touchait mieux, etc. La hitbox, tout était plus clean, le netcode, le tick rate et ce genre de choses. Et eh bien voilà, enfin on a une vérité mathématique avec une hitbox plus grande de 20%. Et pas que, vous allez me dire, bah alors dans ce cas là, si tous les skins se valent désormais en termes de hitbox et que c'est plus un pay to win, ça veut dire que certains skins vont dropper en termes de prix et que je vais perdre tout mon investissement, Malek? Bah figurez-vous que pas forcément, parce que aujourd'hui on peut voir en tout cas sur Counter-Strike 2 son agent à la première personne, et donc forcément quand on a un agent comme Daryl Miami, les professionnels, le clown et ce genre de choses, eh bien cosmétiquement parlant, esthétiquement parlant, ça reste un skin qui est prisé pour cette valeur-là, et donc son prix continue d'augmenter, alors que ça c'est connu depuis une dizaine de jours pour le moment, mais ça sera encore le cas plus tard. Et des personnages comme Number K, voilà, l'agent de Number K, qui je pense restera dans le haut de gamme, dans les prix très élevés des agents, parce que sa colorimétrie là, avec sa tête de capote mi-beige, mi-écru, coquille d'œuf, etc., se cache très bien un petit peu dans la colorimétrie, l'architecture des maps comme Dust 2 et ce genre de truc, Inferno également. Et donc pour moi ces agents resteront très élevés, donc ce constitue encore à l'heure actuelle un bon investissement. Donc voici le petit tableau qui dit que voilà, tous les agents aujourd'hui se valent. Je vous mettrai ça dans la description pour ceux qui veulent aller regarder avec beaucoup plus de détails. Et on va parler maintenant du nouvel anti-cheat qui est en train de nous faire Counter-Strike 2. Donc à l'heure actuelle on a le Valve Anti-Cheat qui est un truc absolument abominable, qui est une passoire monumentale, et que même des cheats public, j'allais dire privé, même des cheats publics arrivent à bypass, sauf quand il y a certaines vagues de ban et ce genre de trucs, mais grosso modo c'est quand même un peu du flanc. Et donc il va y avoir le VAC Live, voilà, qui devrait arriver. Donc ça va être très certainement un anti-cheat beaucoup plus intrusif, très certainement inspiré, je l'espère en tout cas, de Riot Vanguard qu'il y a sur Valorant, avec une détection et un logiciel qui tourne H24 sur vos PC. Je pense qu'il faut forcément passer par là et entre guillemets mettre en péril nos données personnelles et ce genre de trucs, même si je pense que voilà, en Europe et des pays très restrictifs où les libertés individuelles sont, j'ai envie de dire, respectées entre guillemets quand même, mais des pays comme la France, comme la Suisse, comme la Belgique, comme l'Angleterre, l'Allemagne et ce genre de choses, on fait quand même très attention à ce genre de choses, et donc forcément on n'est pas aussi intrusif que dans d'autres pays comme la Chine, la Russie et ce genre de choses. Et donc voici à quoi ressemblerait le prochain anti-cheat avec Cheater Detected, une annulation du matchmaking en cours et ce genre de choses. Donc ce serait vraiment une bonne chose. Moi en tout cas c'est ce que j'aimerais voir. On a des rumeurs également sur le fait qu'il y ait un anti-aim, un anti-aim bot ou ce genre de choses, et que entre guillemets quand il y a quelqu'un qui a un aim bot ou un silent aim, une aide à la visée en tout cas de notre adversaire, s'il a un flic sur nous, etc., bah forcément il aurait le viseur qui vibre. J'ai vu ça sur Reddit, ça reste qu'une rumeur mais je vous le partage également. On a tous les skins qui sont mis à jour et qui prennent un buff. Voilà, donc la semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur quel skin Counter-Strike 2 fallait investir en fonction du nouveau moteur graphique, et je vous montrais ceux auxquels moi je crois et ce genre de choses, parce qu'il y avait des patterns qui avaient pris un buff absolument monumental, comme le Doppler Phase 2, le Gamma Doppler, le Fade était énormissime, le Cementé a pris un buff mais pas énormissime par exemple, le Crimson Web je reste encore déçu, le Lore je reste encore déçu, moi qui adorais par exemple et qui adore toujours et que j'ai un gros Karambit Lore Minimalware qui vaut je pense 2000 € à l'heure actuelle, mais s'il prend un buff avec justement la réflexion des lumières, du soleil, de l'ombre, etc., je pense que là le Lore prendrait encore une plus grande valeur, parce que le Tiger tooth lui met une vitesse, voilà, mais là je m'égare, allez regarder ma vidéo pour ceux qui en veulent un peu plus. Et donc regardez par exemple le Cementé, à quoi il va ressembler désormais, et là on est à l'ombre, voilà, on n'est même pas avec un gros shade de lumière et ce genre de choses. Donc ça c'est le Cementé Blue Gem qui coûte 1 500 000 $ à l'heure actuelle et qui je pense continuera de grimper en termes de valeur. Les stickers ont pris un buff également parce que tout le monde était assez déçu du ressenti visuel qu'avaient les stickers holographiques. Et ben maintenant je peux vous assurer qu'ils sont plutôt jolis et donc ils vont reprendre du poil de la bête. Donc investissez dans les stickers holographiques les amis. Donc voici par exemple une AK Cementée Blue Gem. Ah, ce Blue Gem est complètement immonde, je tiens à le préciser, il fait pas partie des plus rares. Mais là on a du High by Power bien évidemment, du Virtus Pro, du Hellraiser et du Team LDLC Katowice 2014 qui font partie des plus chers hein. Là le High by Power vaut 80 000 € par exemple. J'ai moi-même, je collectionne un peu de skins et j'ai moi-même une AK Red Light avec un High by Power holographique. Et donc voici le ressenti mis à jour désormais. Et donc on peut voir que ils sont bien plus détaillés, ils ressortent également en termes de colorimétrie et tout. Donc le buff on le voit clairement véridique et donc pas de souci à se faire là-dessus. Parmi les leaks, on a vu également les frérots, une nouvelle caisse de skins avec des skins qui ont été dévoilés. Alors à voir si ce serait potentiellement les prochains skins qui devraient sortir. Et on peut voir là par exemple notamment une qui est très intéressante avec la M4S. Voilà, il y a une M4S Gamma Doppler qui devrait sortir avec, comme on peut le voir, une phase 1, une phase 2, une phase 3, une phase 4 avec une full émeraude ici. Donc ça, cette M4 coûterait extrêmement cher. À l'heure actuelle, l'équivalent, on a la M4S Hot Rod qui est rouge, on a la M4 Blue Phosphore également qui est toute bleue également, et donc là on aurait une verte de ce style là. On a également une AK-47 Gold les amis, et regardez donc à quoi ressemblerait, c'est ce qu'on a retrouvé dans les fichiers du jeu. Donc là on a du phase 4, du phase 2, donc beaucoup de réflexion. Là on est clairement sur Counter-Strike 2 hein, donc vous voyez la réflexion des lumières, à quoi ça ressemble et pourquoi aujourd'hui il y a un engouement sur les skins absolument phénoménal. Là c'est la émeraude, je pense que ça va ravir tout le monde. Attention, aujourd'hui la Hot Rod vaut 850 €, la Blue Phosphore vaut 600-700 €. Je pense que la Emerald on serait là-dessus aussi, voire pire, parce qu'en fait vu que c'est auto de drop et donc forcément il y a des phases, ça crée de la rareté en plus et donc clairement on est au-dessus. Voici les petits skins en M4 la Gold Flake, voilà M4A4 Gold Flake avec vous voyez tous ces aspects de pailletage, d'ornement, de réflexion de lumière, vraiment les shades qui changent en fonction justement du soleil et tout, c'est absolument phénoménal. Et on peut voir également donc le moindre petit skin entre guillemets avec une sorte de pattern brillant ferait ressortir grandement la colorimétrie, le sentiment un petit peu des skins. On a également trouvé dans cette nouvelle mise à jour Counter-Strike 2 des animations d'agents pour des célébrations un peu à la Fortnite. Par contre ça sera pour le Danger Zone et ça moi je suis extrêmement dégoûté, voilà sachez-le. Pourquoi ? Parce qu'on le voit sur Counter-Strike 2, on voit son propre agent à la première personne et je me suis dit putain si on a des célébrations en mode ouais je petit pas de danse et tout pour chaque clutch et tout, ça serait absolument incroyable et ça créerait de la toxicité phénoménale. Et rendez-vous compte des clips qu'on pourrait créer, du content divertissant qu'on pourrait créer sur YouTube et ce genre de trucs. Moi en tout cas j'en serais ravi, mais là pour le coup c'est uniquement en Danger Zone. Donc voici un petit peu les fichiers qu'on a trouvés avec voilà des petites danses comme ça, des agents de Counter-Strike et tout qui devrait voir le jour. Et ça veut dire également que Valve bosse énormément à la mise à jour de Counter-Strike 2 et pas forcément que le 5v5, pas que l'anti-cheat, pas que les skins, mais également le mode Danger Zone qui est absolument explosé au sol. Voilà, c'est un Battle Royale de Counter-Strike qui est éclaté, que je trouve moi pas ouf, peut-être que vous appréciez pour se détendre et ce genre de truc, mais moi je trouve qu'il y a de grandes choses à améliorer dessus. Et donc ben voilà, on voit pas mal de petites améliorations de la part de Valve et c'est une super nouvelle.